Cette mélodie résonne sur le fleuve Yangtze depuis plus de 3000 ans. Elle est considérée comme un fossile vivant de la culture du Yangtze. Comme l'eau puissante du fleuve, elle est chantée depuis des générations par les gens qui ont grandi ici. Les chansons de travail de Zhuangjiang sont originaires du Sichuan oriental et de Chongqing dans le bassin du fleuve Yangtze. À l'époque où il n'y avait pas de grands ponts sur le fleuve et où le trafic n'était également pas très développé, les bateaux étaient le moyen de transport le plus important. Cependant, l'eau était rapide et il y avait de nombreuses rives. Les voies navigables étaient sinueuses et traîtresses. Il était facile de pousser le bateau au gré de l'eau, mais la navigation contre le courant était beaucoup plus difficile. Donc, à chacune des rives à courant rapide, on voyait des bateliers tirer une corde et on entendait les cris rugueux des travailleurs. Le fleuve Yangtze commence par Sanjiangyuan et il s'étend vers l'est. Après avoir passé les rivières Ulanmoron et Tongtian, il atteint la rivière Jinsha. La rivière Jinsha fait 7 grands coudes à la frontière du Sichuan et du Hunan. Enfin, dans le sud-est de la province du Sichuan, elle rejoint le cours d'eau principal du bassin du Sichuan, la rivière Min. Les deux rivières convergent et donnent naissance au fleuve Yangtze, avant qu'il ne touche Yibin. Les rivières tirent principalement leur origine des hautes montagnes. Là, la rivière est courbe et étroite. C'est seulement après la fusion de ces deux rivières que le fleuve s'ouvre soudainement, atteignant une largeur de 1900 mètres à son point le plus large. Les courants doux offrent d'excellentes conditions naturelles pour la navigation. Par conséquent, Yibin, au point kilométrique zéro de la voie d'eau de ce fleuve, est également connue comme la première ville du fleuve Yangtze. Le 12 mai 2019, à la périphérie de la ville de Yibin, une ancienne ville tranquille, la ville de Lijuang, sur la rive sud du fleuve Yangtze, a accueilli un invité spécial. Mark D. Levin, lauréat du prix Nobel, qui était auparavant employé du Laboratoire national des États-Unis et ancien directeur de la division Environnement et Énergie, le but de ce voyage était d'examiner et de discuter de la protection du fleuve Yangtze. That is what Yibin is. It's not just another city. It's a city at the mouth of the most important river in the world, and one that has really benefited the people of the city in terms of trade and transportation and avenue to the world and all the things that a good river does. Depuis les temps anciens, Yibin a toujours eu la réputation d'être la préfecture la plus importante du sud-ouest. Elle bénéficie de l'avantage unique de la voie navigable du Yangtze et est également riche en ressources naturelles, que ce soit la culture ancestrale de l'élaboration du vin ou le thé du matin de Yibin, célèbre pour sa fraîcheur et sa douceur. La richesse de cette ville ne peut être séparée de la douce nourriture et de la protection de ce fleuve maternel. I raised the issue of having Yibin be a low carbon city and was immediately accepted by everybody. We had government, we had university people, we had perhaps somebody from the private sector, but they all favored the idea of Yibin being a low carbon city. La section Yibin du fleuve Yangtze serpente et possède une beauté tranquille. Aujourd'hui, Yibin est une ville écologique, typique, avec 200 parcs urbains, 170 km de voies vertes urbaines, 52 km de corridors écologiques et une couverture forestière stupéfiante de 47% dans la ville.资源消耗带来这个最大的生态服务或者带来最大的财富。
En amont de Yibin, à l'extrémité sud de la province du Sichuan, se trouve la seule ville de Chine portant le nom d'une fleur, Panzhihua. Par rapport à l'ancienne Yibin, c'est une ville jeune, construite il y a seulement 50 ans. Panzhihua est bordée par le Hunan au sud, là où les rivières Jinsha et Yalong se rencontrent, et constitue un paysage fascinant de villes forestières. Cependant, dans les années 1960, en raison des besoins dans la construction, un grand nombre d'arbres ont été abattus à Panzhihua et dans les régions en amont, et les grumes ont été transportées par la rivière jusqu'à Yibin, Wuhan et d'autres endroits. Changjiang, 把这个四川、贵州、云南、上游各省的原始森林全都给砍伐了，造成大量的水土流失。 长江过去很重要的一个功能是过木，漂木头，大树锯好了，从长江就运下来给下游做建材。然后在漂的过程当中，这个木材就在会在岸边哈，有些就被啥子石头啊、树丫呀或者阻挡物挡到水边，挡到水边，然后就需要安排人，就说循环的、不间断的在上端哈。 朝进隧道让它顺着水漂流下来。 La rivière impétueuse par moments brise même le bois, et ce qui était tout aussi brisé, c'était l'écologie des deux côtés de la rivière. 天然林这个保护工程呢，实际上是来源于这个1998年在四川的时候先期进行这个试点。 那么为什么要搞这个天然的保资源保护工程呢？就在于我们这个98年的这个全长江整个流域呢，发生了这个全流域的这个洪水。洪水的泛滥呢，其实是跟我们过去森林的破坏是有关的。Près de 6000 personnes qui faisaient couler du bois ont posé leurs pieds de biche, pris leur houe et se sont mis en route pour se battre pour le vert et vivre pour la forêt. Le garde forestier Yan Liang était l'un d'entre eux. Il se souvient encore de la difficulté de planter des arbres à l'époque. Hey, 开挖的难度非常大，那个拆开是每个人手上肯定都是要打起血泡的，一层一层的老茧脱了之后，后来就好一些了，大家就熟悉了。 L'environnement géographique dans lequel se trouve Panzhihua est typique de la région sèche et chaude des vallées fluviales, où la chaleur et les précipitations sont rares et la végétation monotone. En mai, dans cette ville, la température atteint 39 degrés, ce qui rend difficile la survie des plantes. Yan Liang et les enseignants du collège de Panzhihua testent une espèce d'arbre appelé frangipanier. Il est résistant à la chaleur et à la sécheresse et présente également des avantages, tant économiques qu'écologiques. Le choix d'espèces d'arbres adaptées au lieu et permettant un contrôle de l'érosion du sol sont les clés de l'amélioration de l'environnement écologique. Mmh.
我希望我做一个啥子一只蚂蚁，以勇往直前的蚂蚁向那个方向我继续前进。就是说对于这个干热河谷这个造林这个世界难题啊，贡献自己一点点力量。Il y a 20 ans, le fleuve était couvert de bois flottant. 20 ans plus tard, la région est recouverte de collines vertes. La ville de Panjohwa a réussi à passer de la liste des 10 villes les plus polluées à celle de ville forestière nationale, devenant l'incarnation de l'action nationale de protection des forêts naturelles et fournissant une barrière de sécurité écologique pour le cours supérieur du fleuve Yangtze. Selon les données du Bureau des forêts et des pâturages du Sichuan, depuis le lancement du projet Tianbao, la superficie forestière du Sichuan est passée de 176 millions de mus à 276 millions de mus aujourd'hui. 2000年、2005年、2010年、2015年，就是每五年做一个这个评估。我们就发现，天然林保护对生态全国的生态的改善发挥了积极重要的作蕴，表现第一个是森林面积和质量增加，这是第一个明显的表观的倾向。 Il y a 50 ans, des constructeurs venus de tout le pays ont bâti Pangang sur un terrain en pente de 2,5 km², donnant naissance à cette jeune ville. Mais pendant longtemps, la ville a été victime de ses ressources minérales souterraines. La Panjohwa d'aujourd'hui a développé une économie de vergers. En raison de sa situation dans la vallée fluviale de basse altitude et de son climat subtropical, elle est particulièrement bien adaptée à la culture des fruits tropicaux. Des ressources souterraines au soleil dans le ciel, les gens explorent constamment des moyens de faire la paix avec la nature. Cao Gonghu est originaire de Chongqing. Il a maintenant 55 ans. Il est devenu batelier sur le fleuve Yangtze à l'âge de 17 ans. Suivant l'exemple des anciens bateliers, il a créé la première chanson de travail de Chuanjiang. 我是17岁就开始当船工，当了8年，所以对这条江是非常的熟悉，啊，也有很深的感情。啊，那么就是我们那个时候就是唱号子，唱长江号子，它是一种生产工具，每天劳动的时候，特别是那种繁重的体力劳动的时候，都要唱这个号子，所以这样一唱下来，后来就慢慢成为了非物质文化遗产。 Au cours des milliers d'années de navigation par bateau traditionnel, l'énergie des bateaux sur le fleuve provenait du corps des bateliers. Chaque fois que le bateau allait à contre-courant de la rivière ou qu'il traversait un passage dangereux, les bateliers devaient tirer la corde. 比较早的这个时代当中，交通的这种方式，水运是非常重要的。很长一段时间以来，川江的这个航运是我们整个西部内陆走向 这个沿海的一个最重要的一个通道，也可以说是在很长一段时间来讲是一个唯一的一个大型的这样一个通道。哎呦喂，哎走，听不到这个声音了。但是我们从一些旧的纪录片当中可以找到的赤身裸体的拉着船。 Dans le documentaire Découvrir le fleuve Yangtze, nous voyons des images choquantes de bateliers luttant contre les rapides. 当我们的古人冒着生命危险，驾着一叶扁舟在川江上穿行的时候，是何等的艰难！没有一点勇气。C'est dans cet environnement géographique où l'on se bat pour sa vie qu'est née la chanson de travail de Chuanjiang. C'est un fossile vivant de la culture du fleuve Yangtze, avec des dizaines de catégories et des milliers de chansons formant la culture musicale du réseau fluvial du Sichuan.
清风吹来凉啊悠啊悠，清风吹来凉啊悠，春水推船儿下游贵州啊。虽然我没有在江面上听过，但是我看过他们的一些记录和谱面上的一些录音，我觉得人在那个时候的号子就是他人生的写照。有奋斗，有搏斗了过去了险滩之后的擦一把汗，就感觉到是呢，清风吹来凉悠悠，那种心情的舒畅是无可代替的。他只有在付出了汗水之后，他才能有这种感触。Les marées de l'époque ont transformé le fleuve Yangtze. Les ponts qui enjambent les deux rives du fleuve ont remplacé les quais et les ports de ferry les uns après les autres. Et le canal de la rivière Chuan peut désormais accueillir des navires de plus de 1000 tonnes. Le son des chansons de travail, chantées depuis plus de 3000 ans, est déjà introuvable. Cependant, cet éloge du travail de l'esprit inflexible est depuis longtemps gravé dans le sang des enfants du Yangtze. Yizhou est une vaste terre dangereuse et fertile. Le terrain du ciel sur lequel le premier empereur Han a fondé son empire. Ces vers du dialogue de Longzhong sont ce que Zhuge Liang a dit à propos de la plaine de Chengdu. Il peut être difficile pour les gens d'aujourd'hui d'imaginer que la plaine de Chengdu, connue sous le nom de Terre du Ciel, était un lieu de sécheresse et d'inondations sévères dans les temps anciens. 岷江呢是长江上游的最大的一个支流，所以它的这个水量啊，干流都有将近五百亿，那么相当于一个黄河的流量，它的落差也非常大，所以它在这个雨季的时候，这个洪水啊就容易这个泛滥，所以对整个这个成都平原是有很大的影响。Le destin de la plaine de Chengdu a changé en 256 avant Jésus-Christ. Li Bing et son fils, gouverneur du comté de Shu, ont organisé la construction d'un grand projet de conservation de l'eau, Dujiangyan. Le projet de Dujiangyan est constitué de la digue de dérivation de Yuzhui, du réservoir de Feishaiyan et de la dérivation Baoping. Yuzhui分水的时候有三七开支说，在枯水之年进到内江是七分水。外江是三分水，到了丰水之年，外江是七分水，内江是三分水，以保证内江成都平原不受洪水之患。Depuis plus de 2200 ans, Dujiangyan a adhéré à sa mission de protéger et nourrir la plaine de Chengdu. En novembre 2000, Dujiangyan a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Voici une photo de Dujiangyan prise par l'architecte allemand Ernst Bergmann au début du siècle dernier. 100 ans plus tard, les gens viennent à Dujiangyan et sont non seulement étonnés de sa grandeur, mais aussi de son bon fonctionnement. Dujiangyan, 1000多万亩，是全国甚至世界上都是宜居的这个最好的地方，因为它是河网地带，而且有一定坡度，这个所以这个自然环境啊，这个农业生产，它是旱涝保收的一个地方。Liu Zhenghui a consacré toute sa vie à des travaux de réparations annuelles à Dujiangyan. Il a toujours été convaincu que derrière le grand Dujiangyan, un travail de maintenance rigoureux était indispensable.工作了几十年，有感情，有时候还是舍不得，有时候没得事啊，就没得内江，我就走一走看一看。还有时候坏了呢，我还是他们反映，哪里整坏了，他们没发现，我发现了过，我就跟他们说。La réparation annuelle que Liu Zhenghui garde toujours en mémoire, c'est un système de réparation régulière. Elle a commencé sous la dynastie Song. Chaque année, en hiver et au printemps,
Lorsque l'eau est sèche et que la rivière ne coule plus, le déversoir est réparé et la rivière est rendue plus profonde. La réparation annuelle suit la devise suivante. Retirer le limon de la rivière le plus profondément possible afin qu'elle puisse retenir plus d'eau. Pour la section du déversoir de Feisha, cela signifie que les limons de cette section de la rivière intérieure doivent être éliminés. En 2013, Liu Zhenghui a dirigé la dernière réparation annuelle de sa carrière. Selon lui, elle devrait durer au moins 20 ans. De nos jours, les réparations annuelles sont passées de annuelles à un intervalle de 10 ans. Les intervalles entre les réparations annuelles s'allongent, principalement parce que les inondations de la rivière Min ont diminué. Aucun dommage majeur n'a été causé à la tête du canal de Dujiangyan. Par ailleurs, les régions agricoles en amont ont été rendues à la forêt. L'envasement du lit du fleuve n'est plus très marqué.他那一套思路思想的话，到现在的话都是很宝贵的。珠江堰就遵循了自然规律嘛，嗯，习主席也讲的话，他说城市缺水，要用自然力，叫自然的储集存，自然的渗透，自然的净化。四川96%的面积都是属于长江，然后干流、支流、源流三个层次并成，大小的河流呢有1400多条，所以呢也有一种说法，就是说四川是千河之省。 Chengdu est comme une ville dans le ciel, où les maisons sont aussi belles que des images. L'herbe, les arbres, les nuages et les montagnes sont comme des pièces de broderie. Chengdu, vu par Li Bai, le poète de la dynastie Tang, avait déjà été béni par le ciel, une terre de richesse et de prospérité. Chengdu possède un charme particulier, un haut niveau d'inclusion, un rythme de vie lent au milieu d'un développement rapide, du thé, des bavardages et de la bonne nourriture. Il fait bon vivre ici. Les Sichuanais sont des gourmets depuis l'Antiquité. Selon les archives de Huayang, le peuple du Sichuan est friand de goût et d'épices. La cuisine épicée et fraîche du Sichuan est devenue l'une des quatre principales cuisines de Chine. L'un des traits distinctifs de la cuisine du Sichuan est l'utilisation de poivre en grains. En fait, le Sichuan n'est pas la seule province qui consomme des poivres, mais ce sont les Sichuanais qui en font l'usage le plus important et le plus intense. Le comté de Hanyuan à Ya'an est situé dans le cours moyen de la rivière Dadou. C'est la ville natale du poivre, qui est cultivée artificiellement depuis plus de 2000 ans. Le poivre a une longue histoire dans le Sichuan. Grâce à sa couleur rouge, ses gros grains et son arôme fort, il était choisi comme un tribut pendant la dynastie Tang, d'où le nom de Gongjia, poivre de l'hommage. En 2018, les frères poivres, qui cultivent des poivrons dans les montagnes depuis des générations, sont soudainement devenus des vedettes sur Internet grâce à une émission de variété. Le poivre de Hanyuan est produit principalement dans les parties sud des montagnes Ba. Grâce à son climat unique, le poivre possède une qualité unique. La méthode de l'agriculture biologique, héritée de leur père, est celle à laquelle les frères se sont tenus.每一个家都养一都种有都有这个农家肥，还有我们这个土里边，就有机肥。现在说的那种有机肥，然后我们地里边这个草啊不是比较多呢，我们在除草的时候，我们就把这个肥，这个杂草，就把它就是割下来，然后就放到这个树盘上面，然后它自然的就腐烂了，以后它就形成那个绿肥。这时候就不行，这时候就不行，嗯，这时候这是棉缺肥，那个这种起码二十年的树，你看，二十年树林。
嫩的花椒叶都很香，刚刚发出来，哎，都能闻见香味儿啊。En 2005, le poivre de Hanyuan a obtenu la protection de produits d'appellation d'origine contrôlée et en mai 2017, le poivre de Hanyuan est parti à l'étranger en compagnie du premier lot de produits de poivre exportés officiellement, livrés et expédiés à Londres. Depuis lors, des produits agricoles du Sichuan ont été exportés directement vers l'Europe par l'intermédiaire de plateformes commerciales. Le poivre, un fruit minuscule mais puissant, pousse entre les collines vertes et l'eau. Mais petit à petit, il sort des montagnes, s'étend à tout le pays et embrasse le monde. Le respect de la nature se traduit par une récolte abondante, année après année. Il faut que ce genre de vie de pinot se transforme en vie de travail. Ce genre de vie de travail de fâtre, c'est que bien sûr, la vie de notre vie de travail de travail. Une rivière d'eau bleue, deux rives de collines vertes. Wulong, dans la ville de Chongqing, est connue comme étant la porte du Guizhou et de Chongqing. La rivière Wu est un important affluent du fleuve Yangtze, et Wulong en est une perle. On la connaît également sous le nom de Musée écologique mondial du Karst. Sur la montagne Baimashan, le maître de thé Liu Recheng est en train de fabriquer du thé noir Shenluhong. Flétrissage, torsion, fermentation et séchage. Chaque étape est un processus traditionnel. Lui et ses apprentis effectuent chaque étape de manière méticuleuse. Liu Zhuicheng est originaire du Fujian. Il fait du thé noir depuis qu'il a 20 ans, il y a déjà 40 ans de cela. En 2009, lorsqu'il a vu cette plantation de thé pour la première fois dans cette montagne du district de Wulong, il ne pouvait plus la quitter. Le champ de thé de haute montagne qu'affectionne Maître Liu se trouve au-dessus de la rivière Wu. La vapeur d'eau chaude de la rivière s'engouffre à 1300 mètres d'altitude, en alternance avec le courant froid au sommet de la falaise pour frapper les feuilles. Les fréquentes différences soudaines de température rendent les feuilles de thé plus riches en substances et présentent un parfum unique. Le professeur Gao Feihu de l'Institut de recherche sur le thé de l'Académie des sciences agricoles de Chongqing et le maître Liu Zhuicheng se sont également attachés à ce champ de thé. Wulong, cette région, est aussi le lieu de la culture du thé. Il y a beaucoup de ressources précieuses de thé. Baimashan, cette région, est un lieu de thé. Un moment, c'est le thé. Le thé passé, c'est un lieu de thé. Il utilise le mode de thé de thé de thé de thé. À l'abri de la forêt vierge de Wulong, le thé noir de Shenluhong ne se précipite pas. Il suit l'évolution naturelle, créant un bon thé naturel. Fin 2014, le thé noir de Shenluhong a été certifié par l'Organisme national de certification du thé biologique. Parce que le thé noir est un thé noir, c'est ce qu'on appelle le thé noir, le thé noir, le thé noir. Et ce thé noir, c'est le thé noir, le thé noir, le thé noir, le thé noir, le thé noir. 生态呢，包括它的山、它的水，它的品质也是由这些山水的品质来决定的。武农的发展呢，就是要首先就是要守住我们这个生态的一种底线，然后在保护好生态的前提下，这个搞一些适合我们当地的、适合我们资源禀赋的和地形地貌的一些开发。
En mars 2016, la construction du complexe touristique de Baymashan a été lancée. Ses ressources naturelles vierges ont attiré une entreprise culturelle venue de Shanghai. En collaboration avec le gouvernement du district de Wulong, cette entreprise a adhéré au déploiement stratégique de l'expansion échelonnée, à la priorité à la protection et au développement des points. En août 2019, cette merveilleuse montagne, située sur les rives de la rivière Wu, a reçu ses premiers visiteurs. En 2017, l'ensemble du district de Wulong à Chongqing, où se trouve Baymashan, est sorti de la pauvreté. En 2018, Wulong a reçu 28 millions de visiteurs, soit 70 fois la population locale. En 10 ans de temps est venu un amour de 10 ans. Cette montagne est devenue la nouvelle maison de Liu Recheng. Cao Yu, fils de Cao Guangyu, est étudiant en master au département de composition du Conservatoire de musique du Sichuan. Il collabore avec son père pour adapter et composer la chanson de travail de Chuan Jiang. Pour le jeune Cao Yu, il est difficile d'imaginer les difficultés de ses ancêtres lorsqu'il travaillait sur le fleuve. Mais les chansons de travail de son père l'ont toujours accompagné en grandissant. En 2012, Cao Guangyu a fondé une école de la chanson de travail de Chuan Jiang afin de donner des cours gratuits à des élèves de la 2e à la 6e année à Chongqing. Sans aucun frais. Aujourd'hui, c'est son fils qui a repris ce travail. Cao Guangyu a chanté la chanson de travail de Chuan Jiang pendant plus de 30 ans. Lui et ses semblables, des mélomanes qui aiment aussi la culture du fleuve Yangtze, ont fondé une troupe d'art de la chanson de travail de Chuan Jiang. Cette troupe, dont l'âge moyen est de 65 ans, se nomme la troupe artistique des vieux bateliers. L'arrivée de son fils Cao Yu a permis de marier les connaissances de la théorie musicale avec les chansons de travail de Chuan Jiang. C'est une transmission spirituelle. Il s'agit également d'une innovation culturelle qui donne une nouvelle vie et un nouveau sens à une civilisation ancienne. Le fleuve Yangtze se précipite depuis les montagnes. Là où il rencontre la rivière Jialing, il a donné naissance à la plus grande ville de la partie supérieure du Yangtze, Chongqing. Chongqing est une ville de mode et de charme, une ville de montagnes et d'eau. Si vous vous rendez à l'intérieur de cette ville, vous découvrirez que ses sites les plus fascinants tournent tous autour de ce fleuve maternel. Aujourd'hui, des lignes de métro légers traversent les bâtiments.
des autoroutes surélevées montent et descendent. Il y a des beaux ponts et le téléphérique à travers le fleuve Yangtze. Ces installations sont reliées par les montagnes et l'eau, reliant l'ensemble de Chongqing. Ils sont également devenus des destinations populaires pour les jeunes. Elle est maintenant la ville la plus populaire sur Internet. Là où la rivière Jialing et le Yangtze se rejoignent, se trouve la porte d'entrée à Chongqing, Chao Tianmen. Les deux cours d'eau et les quatre rives de la ville principale de Chongqing s'étendent sur près de 100 km, formant un port naturel. Les eaux sont bien connectées ici. Du quai de Chao Tianmen au nouveau terminal à conteneurs, les quais de Chongqing ont toujours été une plaque tournante du transport fluvial. Yang Jianming est un témoin du développement rapide de Chao Tianmen. Il était batelier sur le ferry du fleuve. Tous les matins à 5h30, le premier ferry part à l'heure. À 22h, c'est l'heure du dernier ferry. Chaque jour, plus de 10 000 personnes traversent le fleuve en prenant ce bateau. Jour après jour, année après année. Yang Jianming pensait qu'il serait toujours sur les ferries et serait toujours très occupé. Mais avec la construction du pont de Tsaiyuanba, de Chao Tianmen entre autres, petit à petit, les terminaux de ferries, autrefois bondés, se sont vidés. Depuis la construction du premier pont de Chongqing sur le fleuve Yangtze en 1980, Chongqing compte à présent 35 ponts sur le fleuve Yangtze. Le nombre de ponts de Chongqing est plus élevé que le nombre total de ponts de plusieurs grandes villes du bassin du fleuve Yangtze. Chongqing est également une ville de navigation. Avec 193 voies navigables sur son territoire, dont le fleuve Yangtze, les rivières Jialing et Wu, pour un kilométrage total de 4451 km. Au début de la nuit, le navire de croisière Jiaoyun Mingyue, dont le capitaine est Yang Jianming, a commencé l'un des plus beaux voyages de la journée. Des centaines de visiteurs ont été émerveillés par la nuit de Chongqing. Aux yeux de Yang Jianming, les quatre rives des deux grands cours d'eau vivent ainsi des changements rapides dans la rotation des saisons. Nés de la rivière et prospères par leur lutte, les habitants d'ici ont connu une histoire merveilleuse. Et maintenant, ils affrontent chaque jour avec courage. C'est également sur ce bateau de croisière que Cao Guanyu et sa troupe artistique des vieux bateliers ont commencé leur représentation nocturne. La comédie musicale originale « Chanson de travail » de Chuan Jiang a été collectée, rassemblée et recréée par lui et son fils. Les paroles ont été écrites par le père et la musique composée par le fils, pour présenter aux gens qui aiment aussi la culture du fleuve Yangtze, cette mémoire et cette civilisation ancienne. Au cours de milliers d'années, on ne sait plus qui a crié la première chanson de travail de Chuan Jiang. Il n'y a aucun moyen de le prouver. La seule entité qui le sait et en est témoin est le fleuve Yangtze qui coule sans cesse. La chanson de travail de Chuan Jiang, née au bord de ce fleuve,
est une forme culturelle qui s'est développée, puis a disparu. Aujourd'hui, elle est de retour à sa surface. Ce n'est plus un cri ou une série de chants. Elle représente plutôt la cohésion et la lutte de générations d'habitants du Sichuan et de Chongqing le long de ce fleuve maternel chinois. Sur la carte de la Chine, les étoiles jumelles du Sichuan et de Chongqing, nichées dans le sud-ouest, brillent de mille feux. Le groupe de villes Chengdu-Chongqing fait partie de l'un des trois principaux groupes de villes du fleuve Yangtze. Il s'agit de la barrière écologique la plus importante du fleuve Yangtze et le point de départ de la voie d'or du Yangtze, constituant une plateforme importante pour le développement de l'ouest et un soutien stratégique pour la ceinture économique du fleuve Yangtze. 城市城市群的前提一定是绿色或者生态优先的这个前提的一个绿色发展，那么这是它的第一个生态环境保护的功能。那么第二个功能才是城市城市群的经济功能。要构建长江经济带的生态保护的责任共同体，尊重河流的自然性，保障河流的生命空间，实现流域的可持续发展。在保护的前提下， 兼顾金山银山，继续发展，但是要绿色发展，要有永续发展，要与自然和谐，天人合一，顺势而为，这样子的发展形态。 Tout ce qui se trouve sous le ciel est connecté ici. Les eaux du cours supérieur du fleuve Yangtze nourrissent et enrichissent le Sichuan et Chongqing, deux régions au caractère distinct, mais chaleureuses, vives et tolérantes. Peu importe les difficultés devant nous, nous les surmonterons. Chengdu et Chongqing, les villes jumelles du bassin du fleuve Yangtze de la nouvelle ère, sont deux villes entrelacées dans le cours supérieur du fleuve Yangtze et forment un paysage unique dans l'ouest de la Chine. <t'en>